Je vous jure, je ne me supporte plus. Je ne sais pas si vous voyez l'état de mes très chers bras, mais je crois que je suis bonne à foutre à la benne. Voilà, petite impasse terminée, on n'en parle plus. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous faire part d'une petite nouveauté qui va faire son apparition sur la chaîne. Donc cette nouveauté, c'est une idée qui m'est venue d'un coup. J'étais assise sur mon canapé et c'est venu comme la petite lanterne. Ch'ting ! Et je me suis dit, ah, ce serait peut-être pas mal pour la chaîne. Et ensuite, j'ai un peu réfléchi sur ça, donné d'autres petites idées et je suis arrivée à quelque chose. Yes ! Ouais, voilà, donc je vais vous en faire part. Donc cette nouveauté, c'est tout simplement une nouvelle rubrique qui va être sur la chaîne et qui va s'appeler « Un mini à moi ». Donc là, vous allez vous dire « Ok, elle est bien sympa de nous donner le nom là, mais ça consiste à quoi ?» Donc la rubrique « Un mini à moi », ça va être une rubrique où il y aura de nouvelles vidéos qui seront assez courtes. Donc ce sera entre 2 minutes et grand max 5 minutes. Et le but, c'est que je vais vous donner mes conseils personnels sur, par exemple, si vous souhaitez être propriétaire d'un mini ou si vous avez simplement une petite idée, voilà, vous voulez avoir une idée de si vous voulez un jour acheter un mini. Donc ce sera des vidéos qui vont commencer de l'achat d'un mini jusqu'au travail qu'on pourra faire avec lui. Donc imaginez toutes les étapes qu'il y a, surtout que vu que ce sera des petites vidéos, bah ce sera vraiment des vidéos qui seront basés sur quelque chose précis à chaque fois, donc plein de petites parties. Mais je trouve ça assez sympa, et vu que moi-même je suis propriétaire de deux mini, bah donner mes conseils, qui seront pas forcément les plus justes, vous n'êtes pas forcément obligé de les suivre, mais si vous voulez avoir des avis un peu plus personnels, bah je pense que cette rubrique peut être sympa, surtout que vous êtes beaucoup à me demander justement des vidéos. Comment il faut pour acheter un chien mini, quels sont les critères qu'il faut avoir, et même juste après, qu'est-ce qu'il faut que je prenne si je veux un mini. Donc voilà, vous êtes beaucoup à me poser ce genre de questions, donc je me suis dit créer la rubrique un mini à moi pour vous donner des conseils du début de l'achat jusqu'au travail. Ça peut être vraiment sympa. Donc comme je vous l'ai dit, les vidéos seront réparties, voilà, ce seront vraiment des vidéos courtes parce que je pense que parler à chaque fois d'un sujet précis sera beaucoup plus simple que faire une grosse vidéo sur ça, et en fin de compte je vais peut-être moi-même mélanger un peu tout et rien, donc la vidéo ne ressemblerait pas à grand chose. Donc voilà, j'espère que ce nouveau concept vous plaira. En tout cas, moi je suis très contente de pouvoir faire ça. Et aussi, je me suis dit que dans cette rubrique, si vous avez vraiment des questions un peu plus centrées, par exemple vous êtes déjà propriétaire d'un mini et vous avez un problème avec votre loulou, bah pourquoi pas me poser votre question, et si je vois que cette question est très intéressante et qu'elle revient assez fréquemment, bah je pourrais justement faire une petite vidéo de quelques minutes pour répondre plus précisément à cette question et pouvoir vous aider, bien sûr mon but c'est vraiment de vous faire partager ma passion pour les minis, mais aussi vous donner les meilleurs conseils. Voilà, donc voilà, la vidéo est déjà terminée, c'était simplement pour vous faire cette petite annonce. J'espère quand même qu'elle vous aura plu et que l'idée vous intéresse. N'hésitez pas à me dire par commentaire si c'est le cas. Sinon, vous pouvez bien sûr liker la vidéo et la partager. Vous pouvez me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux tels que Facebook, Instagram et Snapchat. Les liens seront en barre d'infos. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne fin de journée. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.